Το πιο προχωρημένο τμήμα του τουρκικού οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου αντιλαμβάνεται σήμερα ότι η κακή μεταχείριση του Οικουμενικού Πατριάρχη από το τουρκικό κράτος ενδέχεται να επιβαρύνει σοβαρά την ήδη βεβαρημένη εικόνα της Άγκυρας διεθνώς. Ο κατεξοχήν εκπρόσωπος αυτής της τάσης είναι ο δημοσιογράφος Μεχμέτ Αλιμπιράντ. Τον πολύ γνωστό για την αρθρογραφία του αλλά και για την εκπομπή του στην τηλεόραση 32η μέρα δημοσιογράφο συναντήσαμε στο σπίτι του στην πόλη. Το πρώτο μας ερώτημα αφορούσε τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. C'est grave. Pour la première fois, je crois qu'on a entré dans une période beaucoup plus grave qu'on a eue jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avions toujours cette tendance de se bagarrer contre des choses qui n'étaient pas solides, qu'on ne pouvait pas tenir. Bon, 12 000, est-ce que mer Égée doit être la Grèce 12 000 ou non, ou bien espace aérien. Ce sont des choses qui sont vraiment qu'on ne peut pas toucher. Mais pour la première fois, à partir de cette crise Imyakardak, c'est le terrain qui est en cause. Alors ça, ça a vraiment s'avéré, ça a mis en danger toutes ces relations. Et on a eu pour la première fois la peur qu'on va, qu'on peut aller à une guerre. Et heureusement, je dois dire heureusement, des deux côtés, l'armée turque et l'armée grecque, ils sont beaucoup plus conscients de ce qui se peut passer s'il y a une guerre entre les deux pays. C'est pour cela qu'ils ont beaucoup plus, de sang-froid que les politiciens. Vous dites que les officiers exactement ont le sang-froid exactement mieux, beaucoup que bien sûr. Mais prenez tous les Occidentaux, oui, bien sûr, prenez parce que eux, ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien qu'une guerre entre la Grèce et la Turquie, et personne ne peut faire quoi. Enfin, on sait très bien, mais et on va perdre beaucoup de choses, on va perdre des gens, on va perdre... C'est un désastre économique, politique et tout. Ο κύριος Μπιράντ τάσεται ανοιχτά υπέρ ενός άμεσου διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Του αντιτείνουμε. Πώς θα γίνει όμως ένας τέτοιος διάλογος όταν η Τουρκία ζητάει τα πάντα από την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα? Ο τουρκικός ιμπεριαλισμός δεν είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο? Vous savez, l'impérialisme turc, c'est un mot qui est difficile à accepter si vous vivez ici. Et les choses sont très différentes. Quand moi je suis à Athènes, et quand je parle avec des collègues, des amis grecs, et j'ai une image tout à fait différente de la Turquie. Quand je viens ici, et quand je parle avec les gens ici, quand je parle avec les gens responsables, ils vous disent des choses tout à fait différentes. Alors, ça veut dire qu'il y a une conception très très différente des deux côtés. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est ça qu'il faut résoudre et vraiment en laisser là. Parce que si nous continuons comme ça, et on ne peut pas résoudre. Et le dialogue, même si la Turquie demande tout, et le dialogue n'est pas une mauvaise chose, vous pouvez au moins dire à vos interlocuteurs turcs, et vous voulez tout et on ne va pas vous donner tout. Mais là, votre interlocuteur peut vous expliquer que la Turquie ne veut pas tout. La Turquie ne peut pas demander la mer Égée. Et la Turquie ne peut pas demander l'espace aérien. La Turquie a des limites. Elle a une politique. Ça peut être une politique erronée ou non, mais quand même, elle a une politique. Et quand nous voyons d'ici, nous voyons la Grèce, ça aussi c'est une conception, ça peut être erroné ou non, mais la Grèce qui bloque l'Égée et qui nous bloque dans l'Union européenne, le Parlement européen, c'est contre nous grâce à la Grèce. Alors là, les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Vous voyez, des deux côtés, il y a une image très très erronée. La Turquie de Mehmet Ali Birand et la Turquie, par exemple, du général Hassan Koundakchi, qui a tué des innocents en Chypre, c'est la même? Non, regardez, et vraiment,
si on commence à simplifier... Vous avez la même pensée? Non. Non. Hein? Non, attendez. Et là, il faut faire une distinction. Et moi, je ne parle pas de la Turquie que j'aime bien avoir. Ça, c'est une autre conception. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est que on arrive, avant d'arriver là, et au moins les gens doivent se mettre à table à discuter, à s'exprimer. Et par exemple, pourquoi ces incidents en chiffres? Et bon, moi, par exemple, j'étais contre quelqu'un de tuer quelqu'un parce qu'il a fait une violation de frontière ou bien pendant une démonstration. Moi, j'étais contre. J'ai écrit dans mon papier et dans mon journal. Et il y a eu pas mal de gens qui ont fait la même réflexion en disant pourquoi? Pourquoi cette réponse brutale? Mais vous savez, avec manque de dialogue, avec manque de, d'understanding entre les deux pays, ça devient de plus en plus dangereux. Parce que de deux côtés, il y a des fanatiques. C'est normal, il y a même des fanatiques en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Ça, n'en parlons pas. Mais là, il faut maintenant, le problème, c'est de contenir et arrêter cette marche. Parce que ça va nous coûter trop cher. Et à vrai dire, la Turquie du général Kundakçı ne doit pas être, elle ne peut pas être trop différent de la Turquie de la Turquie que j'ai, que je rêve. Et des deux côtés, on a eu des incidents, des provocations intéressantes. Et ce qui m'a frappé, soudain, quand on a commencé à parler d'une solution en Chypre, de solutions éventuelles, après la conférence intergouvernementale, et avec la perspective que la Chypre peut devenir membre à part entière à l'Europe, que s'est commencé à passer? Qui fait ça? Il y a des groupes qui ne veulent pas qu'une solution soit trouvée. Et c'est ça le plus grand point d'interrogation que j'ai dans ma tête. Mais il faut d'une façon ou d'une autre se mettre à table. Même la Turquie demande tout, même la Grèce ne veut rien demander. Il y a quelque temps que vous avez fait une interview avec le ministre grec, M. Pangalos. Pauvre Pangalos. Non, honnêtement, c'était incroyable. C'était lui pendant cette interview qui vous a parlé de démilitarisation des îles de G. Non, il n'a pas dit, ça je dois répéter parce que je lui dois ses services. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de déclarations là-dessus, mais quand même, il n'a jamais parlé de démilitarisation des oui. îles. Il a dit, si vous retirez vos armées, vos navires de l'Égée, aux alentours des îles, nous allons faire le possible pour que vous n'ayez pas des craintes. Enfin, je ne peux pas vous dire c'était exactement... pour les navires seulement. Non, si la Turquie retire la pression navale et qu'elle a... et donne un exemple de bonne volonté et en ce qui concerne les îles, et nous aussi, nous pouvons faire des pas. Retirer les forces. Non, il n'a pas dit retirer des îles. Moi, j'ai déduit, oui, oui. Parce que pour moi, pour un Turc, oui, oui. Ce qui est important, c'est la démilitarisation des îles. Mais le pauvre n'a pas dit ça. Peut-être qu'il avait une autre chose. Et dans mon article, I didn't quote him. Et j'ai expliqué que c'était c'est ce que j'avais oui, compris. Oui, oui. Mais la presse grecque l'a pris, l'a tourné, et le pauvre est vraiment mis dans une situation très difficile. Mais il n'a jamais dit ça. Enfin, il est habile, il ne peut pas dire des choses pareilles comme ça sans penser. Vous jugez, vous considérez que les deux premiers ministres, M. Simitis et M. Erbakan,
vont avoir une rencontre après quelques mois. Oui, je crois que à Ankara, il y a des préparations, surtout les Américains poussent à Ankara au moins de se rencontrer une fois pour déblayer le terrain, pour voir et comment ça marche. Mais vous savez, notre Premier ministre a des problèmes beaucoup plus importants que de rencontrer Simitis maintenant, parce que et il a une politique que seulement lui connaît bien. Personne d'autre ne connaît pas. Et dans cette priorité, et maintenant, je crois que c'est la Grèce qui va venir dans les mois à venir. Quand ça sera cette rencontre, je ne sais pas, mais je sais que les Américains insistent beaucoup. Du côté d'Athènes, Athènes est encore méfiant, mais Ankara est ouvert à un tel dialogue, au moins de faire commencer un processus. Pendant la crise en Égée, la crise nommée crise de Imia, pour juger que on a fait de bas-faisons en Égée. Et oui. Je crois que des deux côtés, on a décidé de ne pas toucher à certaines zones des cailloux, à ne pas montrer vigilant, de mettre le drapeau turc ou grec, de dire voilà, c'est à moi, est-ce que l'autre est à vous? Et il y a une modus vivendi qu'on n'a pas déclarée. Et il n'y a pas de quelque chose qu'on a signé, mais des deux côtés, et on a forcé, on a dit, laissons comme ça. Et parce qu'on a, pour la première fois, on a vu que c'est dangereux, que c'est vraiment... Modus vivendi donné par l'oncle américain. Bien sûr, vous savez, il y a toujours... les Américains ont toujours... une tendance beaucoup plus nuancée de convaincre les deux côtés. Vous acceptez ou non, mais ils sont convaincants, comme on dit. Merci bien. Merci à vous. Το διπορικό μας των δύο ημερών στην πόλη τελειώνει κάπου εδώ. Η Τουρκία είναι ο μεγάλος γνωστός άγνωστος γειτονάς μας. Και όσο αισθανόμαστε ότι κινδυνεύουμε από την πολιτική της, τόσο περισσότερο πρέπει να τη γνωρίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Ποιος έχει το δικαίωμα άλλωστε να λησμονεί τις ιστορικές μνήμες, τα βιώματα, αλλά και τους ολίγους εναπομείναντες Έλληνες σε αυτό το σταυροδρόμι των δύο Ηπείρων? We'll be right back.